qu'est-ce que le mari t'a demandé? D'appeler un ami à moi qui est gay. Oui. Ah, il voulait femme avec moi et femme avec mon ami gay. La partie la plus bizarre qu'un homme marié t'a demandé, c'était quoi? Mon derrière. Mon derrière. Bonsoir. Moi, je t'appelle. Dorothée. Comment tu vas? Ça va? Comment tu vas? Ça va et vous? Ça ne te regarde pas. Voilà. Dorothée, dis-moi. C'est juste pour te taquiner. Je vais bien. Ah, ok. Dorothée, dis-moi. Regarde la caméra. Est-ce que tu es en couple? Je suis en couple et célibataire. Tu es en couple avec qui? Combien de personnes? Je suis en couple avec trois personnes. Et trois personnes? Ouais. Ok. C'est quoi le prénom? Il y a Jacques. Oui. Roméo. Oui. Et Tawa. Jacques, Roméo et Tawa. Wow. Parmi les trois, est-ce qu'il y a un homme marié parmi? Tous ce sont des hommes mariés. Tu es en couple avec trois hommes mariés? Ouais. Wow, wow. Donc tu es à moitié en couple, à moitié célibataire avec trois hommes mariés. Ouais, ouais. Et je comprends que tu as l'habitude de sortir avec les hommes mariés. Vu que ce sont les hommes mariés qui m'accostent tout le temps. Oui. Ouais, donc. Mais est-ce que tu ne pas que c'est une pratique antisociale de sortir avec un homme marié? Je sais, mais ils me gardent, les hommes mariés gardent bien les petites du dehors. Dehors. Ouais. Mais qu'est-ce que tu donnes à l'homme marié que sa femme ne lui donne pas? Quand nous sommes sur le lit, il veut seulement couper sa dernière veine. Il a envie de couper sa dernière veine. Lui-même, il sent que ce qu'il fait sur le lit, là, sa femme ne fait pas ça à la maison. Wow. Ouais. Ce n'est que ça que tu lui donnes? Ce n'est que ça. Oui. Je l'arrête. Mais je veux comprendre une chose. Honnêtement, les hommes mariés, est-ce qu'eux, ils aiment des pratiques très bizarres? Il y a d'autres. Oui, mais je mets les limites. Oui. Et des bases. Ouais. La pratique la plus bizarre qu'un homme marié t'a demandé, c'était quoi? Mon derrière. Un homme marié t'a demandé quoi? Mon derrière. Wow. Ça, c'est son fantasme, il a envie de réaliser. Oui. Et moi, je lui ai dit, il ne peut pas réaliser ça avec moi. Oui. Mais avec une autre personne. Les hommes mariés. Ouais. Yes. Et après ça. Et, oui, vas-y. Et aussi, d'appeler un ami à moi qui est gay. Oui. Ah, il voulait femme avec moi et femme avec mon ami gay. Mais j'ai refusé. Wow. C'est l'homme marié qui t'a demandé ça. Ouais. Je vous rassure, les hommes mariés et les sugar daddy, ils ont fini avec. Et maintenant, est-ce que tu aimerais te marier demain? Ouais. Si tu te maries et que ton mari te trompe, quelle sera ta réaction? Tant qu'il me trompe et que je ne vois pas avec mes yeux, ça ne me dérange pas. Il peut faire ce qu'il veut dehors. Mais si je vois, voilà, rip une fois. Rip une fois? Oui. Wow. Et comme ça, est-ce que tu dois sortir avec un sugar daddy? Bien sûr. Bien sûr. Tous mes hommes mariés, ce sont des sugar daddy. Attends, dis-moi, le plus âgé à quel âge? Le plus âgé? Oui. 56. 56 ans? Ouais. Et ils t'entretiennent bien? Ouais. Les hommes mariés, pourquoi est-ce que vous donnez tant d'argent aux fils célibataires? C'est pour que nous on fasse comment? Les sugar daddy là, c'est pour que nous on fasse comment? Et aujourd'hui, si on te demandait d'arrêter de sortir avec les hommes mariés, les sugar daddy, est-ce que tu accepterais? Pas pour le moment, parce que les hommes de maintenant sont tellement gays. Donc, sur 90 hommes, au moins 70 sont gays. Donc, du coup, mieux de foncer avec sugar daddy.